Allez, on démarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal. Ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller pire. Ça va. Allez, comme d'habitude, je veux dire bonjour à tout le monde. Luciana est avec nous, bonjour. Andrea est là aussi. Evelyne est avec nous. Ashwati est là. Yossi qui est avec nous. Yossi qui dit qu'il fait froid. Ah ben c'est possible. C'est l'hiver. C'est l'hiver, quoi qu'on veuille. Omar est là aussi. Cosmina est là. Victoria Posse est avec nous. Coucou. Rock est là aussi. Gloria. Bonjour, bonsoir. Brahim est là. I'm waiting. Brahim, it will be in French this one, okay? So it was yesterday. Yesterday it was in English and in French. But Brahim, it will be in French this one. Benter is with us. Est avec nous, pardon. Victoria Jacques, bonjour. Romande, bonjour. Annabelle est là aussi, bonjour. Mais il est quelle heure, Annabelle? Il faut dormir. Le sommeil est très important aussi. Renato est là, Simi est avec nous. Hilary est là, Yann Arte est là aussi, Sophia X. Anouchka est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je crois que j'ai dit tout le monde. Gloria, j'avais déjà dit. Vouslat, pardon. Prachi et Shahi. Donc, ben, on va commencer, si vous voulez bien. Souvenez-vous, dans 8 jours, c'est l'anniversaire. Youpi! Je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais en tout cas, j'aurai probablement un petit peu de vin avec moi pour fêter l'occasion. Cassandra est là aussi. Bonjour, Cassandra. Allez, on démarre, si vous voulez bien. Alors comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de cliquer sur like, merci beaucoup, idéalement nous essaierons d'atteindre les 100 likes comme chaque jour, peut-être qu'on va y arriver vendredi, je ne sais pas, ce serait un beau cadeau. Alors maintenant, j'essaye de vous faire quelques petites recommandations au début du cours, d'accord ? Je pense que ça peut être intéressant et j'aime bien vous recommander une chanson parce que c'est une chanson que j'ai écoutée pas mal aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ma chanson du jour. C'est une chanson de Jacques Brel, donc c'est assez classique. Jacques Brel est un interprète belge qui fait partie du répertoire de la chanson francophone qui est vraiment, vraiment très célèbre et très réputée. Et la chanson, c'est la chanson des vieux amants. C'est une chanson qui est, à mon avis, magnifique. Si vous avez l'occasion de l'écouter après, faites-le parce que c'est vraiment une chanson très belle et puis vous pouvez travailler sur aussi le texte avec. Deuxième chose, c'est un documentaire, on va en parler pendant le cours, incroyable, incroyable documentaire. Le documentaire, ça s'appelle Be Natural, c'est un documentaire américain mais qui parle d'une personne dont nous avons parlé pendant nos cours, qui s'appelle Alice Guy, ou Alice Guy Blacher. Blacher, c'était le nom de son mari. On va en parler, mais ce documentaire-là est incroyable. Si vous aimez le cinéma, regardez-le, vous allez découvrir des choses que vous ne saviez pas avant, et ça, c'est formidable. Et puis la dernière chose, c'est le livre du jour. Si vous avez envie de... d'être touché. C'est un livre que j'avais lu il y a assez longtemps déjà, mais c'est vraiment un livre qui est très court mais incroyablement fort, et ça s'appelle Vous n'aurez pas ma haine. C'est incroyable comme livre, c'est vraiment très très touchant, vous allez pleurer, j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre, mais c'était vraiment 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 très très beau. Donc trois choses que je vous recommande, et maintenant on va commencer. À
Allez, le mot du jour, comme d'habitude, un seul mot pour décrire votre journée. Allez-y. Denora Olson nous rejoint. Coucou Denora. Julia qui dit, ben merci, je ne veux pas pleurer, mais des fois ça fait du bien. Ça vide les citernes, comme ça, après, et on pleure pour quelqu'un d'autre, hein. On pleure pas pour soi finalement. Alors, c'est Cosmina qui commence avec hypotypose. Très bien. Et en plus, il est très amusant à prononcer, celui-là. Julia qui fait dans la complication, effectivement, puisqu'elle nous dit vendredi. Desarlika nous dit bonjour. Bonjour, Desarlika. Nous cherchons votre mot. Shari qui nous dit contente. Peut-être au féminin. Annabelle Nouvelle qui nous dit poursuivre. Bah, ça, c'est important. Poursuivre, il y a une connotation très positive. Hein. On continue, on poursuit quelque chose. Dessart qui nous dit fatigué, bah oui, ça arrive. C'est vendredi, peut-être que c'est ça. Psychologiquement, on arrive à la fin. Denora qui nous dit improvisation. Alors ça peut être sympa. Yann Arte qui nous dit relax. Stardust qui nous dit confiance en soi. Stardust, il y a combien aujourd'hui? Combien? Parce qu'on était à 5. Hein. On était à 5. Est-ce qu'il y a une petite évolution? On est à 6, peut-être. Je ne sais pas. C'était 3 et 2. Est-ce qu'on est à 3 et 3? Ce serait formidable pour commencer le week-end. Sophia X qui nous dit nuageuse. Yossi qui nous dit fatiguée. Qu'est-ce qui se passe, Yossi? Alors là, Yossi, que se passe-t-il? Yossi est un homme vacciné. Normalement, il ne doit pas être malade ou fatigué. Peut-être que vous... Est-ce que vous dormez assez, Yossi? Omar qui nous dit course. Est-ce que vous allez faire les courses? Alors attendez, je clique parce que Roman, je ne sais pas pourquoi c'était bloqué. Voilà. Ensuite, Vouslat qui nous dit froid. Laura qui nous dit heureuse. Ah ben là, c'est pas mal. Harvey qui nous dit bonjour, bonjour Harvey. Écrivez un mot, s'il vous plaît. Renato, relax. C'est mon jour de congé. Ben ça, félicitations. Chris Mo qui nous dit lacté. Très intéressant, lacté, d'accord. Cassandra qui nous dit efficacité, ça c'est pas mal. Hillary qui nous dit se détendre. Ashwati qui nous dit ennuyeux, ça arrive. Ah, il y a des jours qui sont vraiment longs et ennuyeux, ça peut arriver. Gloria qui nous dit heureuse, oh là là. Eh ben, heureuse Gloria, bravo. Victoria Jacques qui nous dit vendredi aussi. Yeah! Hein? Vous pouvez dormir demain, pas besoin de travailler. Roman qui nous dit douleur aux jambes. Qu'est-ce qui se passe, Roman? Est-ce que vous avez fait trop de sport? Victoria Possé qui dit hier je ne pouvais pas terminer le cours et je ne pouvais pas dire au revoir et je m'excuse à tout le monde. Ça n'est pas grave, Victoria Possé, ça arrive. Et vous dites coiffure, oh oh, comme moi, regardez. Comme moi, j'ai une nouvelle coiffure aujourd'hui. Rock qui nous dit girafe à la dinosaure. C'est intéressant, Rock. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Chris Mo qui nous dit pas d'épices pour aujourd'hui. Ben écoutez, c'est comme vous voulez, effectivement. Allez, on continue. Ah, Roman qui dit il y avait une horloge, oui, mais ça c'est fini, Roman. C'est fini parce que maintenant je fais en fonction de ce que j'ai préparé. C'est pour ça, Ice Cubes qui nous rejoint. Bonsoir Ice Cubes, n'oubliez pas de cliquer. Hein. Cliquez s'il vous plaît. Allez, la photo du jour, ça n'est pas une photo exceptionnelle, mais je pense que c'est une photo qui peut être intéressante à décrire ou éventuellement à commenter. S'il vous plaît, Boujahid qui nous dit l'augmentation, ah non, l'inflation est mon salaire. Qu'est-ce qui se passe, Moudjahid? Alors, la semaine dernière, c'était les impôts, maintenant c'est le salaire, l'inflation, c'est la crise. Thank you.
À chaque fois, Laurent est ici. Et quand Laurent arrive, nous le saluons. Skate Crisis qui like, hein. C'est Laurent qui like, bien sûr. Il faut vraiment que je trouve une photo et à chaque fois que tu viendras, pim, je mettrai la photo. Et bien sûr, une photo très gênante. Alors, Dessarlika qui nous dit, eh ben, bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Oui, alors, soit vous pourriez peut-être utiliser comment pourrais-je, hein. En général, on utilise assez facilement le conditionnel présent de pouvoir, pourrais, je pourrais, et puis on l'inverse, puisque c'est une question. Comment pourrais-je vous aider? Nwosu qui nous dit, je suis très heureuse d'être ici, eh bien, nous aussi. Très bien, Laurent qui rit et qui sait que j'ai des archives. J'ai des archives de photos et je peux les ressortir, clic, juste en cliquant sur un bouton. Mercurialman qui nous dit, une dame au téléphone à la réception, d'accord. Vouslat qui nous dit, la photo montre la réception d'un hôtel. Laura qui nous dit, ils ont accepté les réservations. Faites attention, Laura ou Laura, le verbe réserver, quand on le met au passé composé, on va utiliser avoir. Donc vous allez dire ils ont, O-N-T, et après vous mettez votre participe passé réservé. Ensuite, Roman qui nous dit c'est une réception, la réception d'un hôtel où cette fille parle avec un client de la réservation d'une chambre. Très bien. Andrea qui dit c'est complet. Hein, à la place de tout réserver, vous pouvez dire c'est complet. Désolé. Mujahid qui dit puis-je vous mettre en attente pendant 6 heures? Qu'est-ce qui se passe, Mujahid? Je vous sens un petit peu tendu. Relaxons-nous. Oh non, c'est pas en France. Hein. En France, 6 heures, c'est possible. Là, je pense que ça doit être dans un pays où on est plus efficace, probablement. Hillary qui nous dit, il travaille en se levant. Yossi qui nous dit, on voit la personne ou le personnel de l'hôtel qui prend les réservations. Très bien. Stardust, un employé de l'hôtel qui est sympathique, prend une réservation et attend avec impatience chaque client pendant cette période. Très bien. Julia qui dit, la fille appelle Vincent pour dire que Laurent est là. Oui, mais Laurent est déjà parti. Laurent est un homme qui arrive et qui s'en va comme ça. Victoria Jacques, deux employés d'hôtel confirment mes réservations lorsque je recommence à voyager. On ne sait pas quand. Avec tous les variants qui arrivent maintenant, on a envie de pleurer. Et on peut pleurer, c'est possible. Ice Cube, c'est l'image de la réception avant de partir parce qu'ils contrôlent s'ils ont consommé quelque chose dans le frigo. Ne jamais consommer dans le frigo, c'est une arnaque. Daria qui nous dit bonsoir. Bonsoir Daria. Victoria Possé, ils sont deux collègues qui font leur travail et ils sont heureux. Eh bien, effectivement. Cassandra qui nous dit, elle fournit un excellent service clientèle au téléphone, d'accord. Luciana qui dit, la photo montre la réception d'un hôtel qui recommence à recevoir des touristes après l'ouverture des frontières. C'est vrai. Rock qui nous dit, il travaille en se levant. Ah, en étant debout plutôt. Hein. Daria, Elon Musk a déclaré qu'il était désolé pour ceux qui attendent simplement le vendredi et ne profitent pas de chaque jour de travail. Il semble que ces personnes sont au travail et apprécient la journée. Bah, disons qu'ils n'ont pas tous le même salaire, c'est ça aussi. Gloria, salut, la réception ici, puis-je vous aider? Alors attention Gloria, salut, c'est très très informel. En général, on utilise bonjour quand c'est quelque chose qui va être assez formel. Faites bien attention. Annabelle, bonjour. Nous avons changé pour un hôtel de santé, donc pas d'invité public jusqu'en juillet. Juste un patient du Covid. C'est vrai. C'est vrai qu'on a changé les hôtels hein, en centre de Covid maintenant. Cosmina, la photo ne nous donne pas beaucoup d'espace pour l'imagination. Eh bien oui. Mais j'ai pigé, regardant leur visage et sourire, un peu caché.
cacher que les deux collègues ont une affaire. Mais non ! Pourquoi pas finalement ? Pourquoi pas ? Mais bon, les relations au travail, c'est toujours, toujours très, très délicat, non ? Je ne sais pas. Dénora, un jour à l'hôtel. Yann Arte qui nous dit « J'aime cette photo. Il y a une réception de l'hôtel. Cette femme va faire le... va répondre au téléphone avec plaisir. » Shahi qui nous dit « C'est l'endroit pour accueillir les gens, donc la réception. Il y a une fille, une femme et un homme qui sont occupés avec le téléphone et l'ordinateur. » Omar qui nous dit « C'est une photo typique quand on arrive à l'hôtel. » Bah oui, c'est vrai. J'espère que je peux y aller. cet été. Ben c'est ça, hein. C'est ça, c'est que ça nous manque. Ça nous manque, ces images. Chériline qui nous rejoint. Bonjour, bonsoir, Chériline. Sophia qui nous dit « Les clients l'appellent pour annuler les réservations, c'est possible. » Renato, « Quand je suis arrivé à l'aéroport de Cancun, je n'ai pas trouvé ma valise, donc l'employé m'a aidé. » Merci beaucoup. Wow. N'oubliez pas de cliquer, ce serait très 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 gentil, merci. Alors, la question du jour, et je pense que Cosmina sera un petit peu plus contente parce que ça ouvre plus de perspectives pour éventuellement un peu de réflexion. La naïveté est-elle une qualité ou un défaut ? Est-ce que la naïveté, c'est une qualité, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt positif chez une personne, ou un défaut, quelque chose qui pourrait être considéré comme plutôt négatif ? Allez-y, une petite phrase pour répondre. Merci beaucoup. Et je dois dire un grand merci à Vishant Kumar qui m'offre un café. Et ça, c'est très très gentil. Un grand merci, Vishant. Merci beaucoup. Allez, maintenant j'attends vos phrases. La naïveté est-elle une qualité ou un défaut ? Alors, Renato qui demande « Qu'est-ce que c'est la naïveté ?» Eh bien, la naïveté, c'est le fait d'être naïf. Je vous invite toujours, Renato, à ouvrir un dictionnaire dans votre langue. Ça peut être plus intéressant. Et s'il y a certains mots qui vous semblent un peu difficiles, vous pouvez les regarder. Et peut-être que c'est un petit peu plus rapide que de poser la question comme ça. Alors, Yossi qui considère, et ça c'est intéressant, eh bien que la naïveté fait partie des défauts. Très bien. Alors, on attend la réponse des autres. J'espère que la connexion est bonne. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de latence. Alors, Ice Cube, ce qui dit « Je pense que ça change selon la culture, monsieur !» Ici, ce n'est pas une qualité. Andrea qui dit « Ça dépend des circonstances » et moi, je dis que c'est une qualité. Luciana qui nous dit « Je pense que la naïveté est une qualité, mais le problème, c'est que plusieurs gens abusent de ça. »
Denora qui dit « La naïveté nous donne de l'espoir ». Ça, c'est intéressant. Yulia B qui nous dit « Une personne naïve est un avantage pour les autres, mais pour la personne même, oui, donc c'est pour cette personne-là, ça fait mal ». Allez, on attend, j'imagine que les autres sont en train d'écrire. Encore une fois, je ne suis pas responsable de la connexion, je n'ai rien touché. Stardust qui nous dit « La naïveté est une question très délicate. Dans de nombreuses situations, vous devriez toujours pouvoir juger correctement une situation. » Omar qui nous dit « La naïveté, c'est une qualité dans un monde imaginaire. Mais dans le monde réel, peut-être que ça pourrait être vraiment un défaut. » C'est ça qui est intéressant avec cette notion. Alors Renato qui dit qu'il a la rousse, mais qu'il se couche toujours à côté de sa table. Ah ben c'est... Faut pas se coucher. Annabelle qui nous dit dans certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Annabelle, qu'est-ce que ça veut dire? Il manque le début de votre phrase. Alors, Yann Arte qui nous dit « La naïveté est... et le fait qu'une personne est trop simple. » Oui, ça peut être discuté, ça aussi. On aurait pu définir la naïveté. Cosmina qui nous dit « La naïveté n'est ni une qualité ni un défaut. » Parfois, c'est peut-être... Ah, être un peu naïf ou naïve dénote un caractère honnête. Et parfois, dans certaines circonstances, ça signifie un manque de raisonnement. Sophia qui nous dit « Ça dépend. » Des fois, je pense que la naïveté est une bonne qualité. Vouslat qui nous dit « La naïveté est un défaut, car il peut entraîner des dommages. » Voltaire a écrit un livre qui s'appelle « L'ingénu ». C'est un livre sur la naïveté. Victoria Posse qui nous dit « Je ne sais pas quoi dire de la naïveté. Les enfants sont très naïfs et je ne considère pas cela comme un défaut. » Dessar Lika qui nous dit « La naïveté est une qualité pour les personnes qui travaillent. » Qui travaille dur. Ensuite, Cheryline qui nous dit « Bien qu'une personne naïve puisse avoir des intentions pures, c'est une faute car vous ne pouvez pas savoir qu'elle agirait avec le même niveau d'intégrité face au défi. » Cassandra qui nous dit « C'est difficile de décider. » À mon avis, je pense qu'une personne naïve n'a pas assez de connaissances. Roman qui nous dit « Dans ce cas, je pense que l'arrière-plan de la personne est ce rouleau de jeu. Parce que s'il a un arrière-plan comme prendre tout un échantillon, cela affectera le résultat. » Je n'ai pas compris, Roman, votre explication. Shahi qui nous dit « Une personne naïve est jugée parmi d'autres personnes. » Alors, comme vous le savez, on a démarré ça, c'est la nouvelle rubrique à vos téléphones si vous voulez partager un événement, un moment, expliquer quelque chose, eh bien, prenez votre téléphone, clic, écrivez un petit texte en français, bien sûr, c'est toujours plus intéressant, et puis je les mettrai dans le cours. Et là, regardez. Bonjour, professeur Vincent, bonjour à tous. J'aimerais vous raconter le Nouvel An chinois. Le 12 février était le premier jour du Nouvel An chinois. 2021 est l'année du buffle. Selon le calendrier lunaire, la célébration du Nouvel An chinois commence le 23 décembre lunaire jusqu'au 15 janvier. Dans le calendrier grégorien, la date du Nouvel An chinois varie d'une année à l'autre.
mais il tombe toujours entre le 21 janvier et le 20 février. Comment on le calcule? Ça, j'ai adoré. Je n'en ai aucune idée, mais je vous garantis que c'est compliqué. Il y a plusieurs activités traditionnelles qu'on fait pendant la fête. Avant le 30 décembre, 11 février, le réveillon du nouvel an, on se concentre sur le grand nettoyage à la maison pour pouvoir accueillir des nouvelles choses et installer des décorations. Pendant le réveillon du nouvel an, tout le monde se retrouve en famille pour un grand dîner. Je me souviens très bien de deux choses que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. L'enveloppe rouge avec de l'argent dedans et les dîners qui se suivent jour après jour pendant toute une semaine. Bien sûr, on ne peut pas discuter du nouvel an chinois sans mentionner les plats. Trois plats traditionnels. Le poisson entier que vous voyez sur la première photo. Les raviolis chinoises que vous voyez juste à côté. Et le gâteau de riz gluant, gâteau de riz avec 8 trésors à la forme d'un dôme. On mange le poisson parce que la prononciation du mot « poisson » en chinois est le même que celle du mot « abondance », soulignant l'accroissement de la prospérité. Grand merci à Sophia X qui nous a envoyé ces choses formidables et qui nous a écrit ce texte pour nous présenter eh bien, le nouvel an chinois. Et bien sûr, ma question c'est ça. Est-ce que vous avez déjà goûté des spécialités ou ces spécialités chinoises pour le nouvel an chinois et est-ce que vous les aimez? Une petite phrase, s'il vous plaît. Alors, Nadia, I'm a new student. Can I learn French? Yes, Nadia, of course. But then this session of exercise is only in French in that case because it's for beginner intermediate, but mostly intermediate. Tomorrow it will be for advanced. So it means that you come on Monday at the same time and then it will be in English and in French. And then we'll have some exercises that will be mostly for beginners. D'accord? Merci. Alors, je vois que ça commence à arriver. Des Sarlika qui nous dit non, je n'ai pas encore essayé. J'aimerais essayer. Rock qui nous dit c'est des dumplings. Oui, ben, on peut dire ravioli aussi, ravioli chinoise. Vouslat, non, je n'ai pas encore goûté ces spécialités chinoises. Luciana qui nous dit non, je n'ai jamais mangé ces spécialités. Andrea qui nous dit non, je n'en ai jamais eu l'occasion, mais un jour je vais l'essayer. Brainwash qui nous dit non, mais j'aimerais essayer dans le futur, peut-être avec Sophia X. Solomia qui nous dit how can I reach you via email?
It's a good question. I don't really know. Denora. Oui, le poisson est merveilleux. Victoria Posse, je n'ai jamais goûté ces plats chinois. Hilary qui nous dit non, je n'ai jamais goûté ces spécialités. Yulia qui dit je ne suis pas sûr quand même. Peut-être que je n'en ai pas goûté, c'est pas clair. Annie qui nous dit non, je n'ai jamais goûté ces spécialités. Yossi qui nous dit je n'ai pas encore goûté les spécialités chinoises. J'espère essayer quand j'irai en Chine, mais quand c'est une grande question. Bah oui, il faut attendre. Hein. Annabelle Nouvelle qui nous dit oui, car c'est très savoureux. Eh ben oui. Alors là, j'imagine qu'effectivement, en tout cas, ça a l'air incroyable. Ça a l'air vraiment délicieux. Sophia, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très, très gentil de partager ce texte et ces photos. Omar qui nous dit, je n'ai pas goûté ces spécialités, mais j'aime la nourriture chinoise. Renato qui nous dit, fraîchement, mais pas la pâtisserie. Les autres plats, oui. Roman qui nous dit non, je ne les ai pas encore testés, mais la deuxième photo que vous avez partagée est plus similaire à l'un de nos plats traditionnels. Ah, des fois ça se ressemble, c'est ça qui est incroyable. Stardust, je mangerai de la nourriture chinoise chaque fois que j'aime la nourriture chinoise. Une grande partie est végétarienne et les raviolis sont bonnes à manger sans viande. Stardust, merci. Pardon, pas Stardust, excusez-moi. Sophia X, merci beaucoup. C'était très, très gentil. Si vous voulez partager, comme Sophia et les autres, des photos, un petit texte, l'adresse, c'est vosphotos@fluent2plus.com. Alors, attendez, parce que ça continue. Cassandra qui dit, j'ai essayé deux de ces trois plats spéciaux. Je suis vietnamienne. Nous célébrons le nouvel an lunaire comme les Chinois, mais nous avons des plats différents. Cosmina qui dit, oui, je peux dire que pour le nouvel an, dans mon pays, il y a une coutume de préparer un plat avec du poisson pour être léger comme un poisson toute l'année. Est-ce qu'ils sont légers, les poissons, peut-être? Mais je ne sais pas si nous cuisinons le poisson de la même façon, de la même manière. Cheryline qui dit, je les ai essayés, mais je n'aime pas particulièrement la cuisine chinoise. J'ai bien aimé ce que vous avez écrit, Sophia, merci. Jet qui nous dit, j'adore ces spécialités chinoises, surtout le poulet showmain. Et puis Yann Arte qui dit oui, j'aime beaucoup la cuisine. Chaque année, je fais des raviolis chinoises en février. S'il vous plaît, vous êtes 84, vous pouvez cliquer. Merci. Alors, c'est comme ça qu'on parle. Eh bien, c'est notre rubrique de français familier et très familier. Donc, faites attention, comme d'habitude, hein, je le répète, c'est bien de connaître ces mots et ces expressions, mais il faut faire attention à l'utilisation. Donc, n'utilisez pas si vous n'êtes pas sûr du contexte, de la situation ou des personnes avec qui vous parlez. La première chose, eh bien, c'est être largué. Être largué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas comprendre, être perdu. Perdu, c'est-à-dire je ne comprends pas, ou être dépassé. Et là, on parle de génération en général. Regardez l'exemple. Mon père est vraiment largué avec son nouveau téléphone. Il aurait dû prendre un modèle plus simple. Mon père est totalement perdu. Il ne sait pas comment utiliser son nouveau téléphone. Donc, il est largué. Il est largué avec son nouveau téléphone. Il aurait dû prendre un modèle plus simple. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec « être largué ». Thank you.
Alors, je vois que vous êtes 88. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton like. 89, ça monte, ça monte. Alors, attention, Cosmina qui commence et qui dit « Je ne pige rien de cette vie, je suis complètement largué. » C'est vrai que c'est parfois le sentiment qu'on a, hein. Parfois, on a le sentiment qu'effectivement, on est un petit peu à côté de ce qui se passe. Est-ce que les autres écrivent ou est-ce que je vous laisse encore une petite minute ? Allez, c'est Rovine qui nous dit « Je suis largué avec mon nouveau job ». Ça, ça arrive aussi. Hein, quand on commence, on comprend rien, ça peut arriver. Yossi qui dit « Je suis largué ». Hier, tu m'as dit que tu viens chez moi. Ah oui, d'accord, et la personne ne vient pas. Luciana qui dit « Parfois, je suis largué en apprentissage de langue étrangère ». Bah ça, ça arrive. Victoria Posse qui nous dit je suis largué avec tant de variantes du Covid. C'est vrai que maintenant, ça devient pathétique. Il y a des variantes en permanence. Yulia qui dit je suis toujours largué dans l'aéroport de Francfort. Mais il est intéressant l'aéroport de Francfort, je m'en souviens de celui-là. Brainwash, je suis très largué, comment je peux avoir une meuf? Ah ben ça, il faut demander. On a tous nos défis, on a tous nos problèmes. Vichande qui dit « Aujourd'hui, je suis largué dans la compréhension écrite du niveau d'Elfe B2 ». Compréhension écrite B2, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je sais que ça va faire plaisir à Julia, mais compréhension écrite B2, il y a toujours du passé simple. Denora, parfois je sens que je suis largué pendant ce cours. C'est normal, il faut s'accrocher, Denora, il faut s'accrocher. Stardust, il m'arrive aussi d'être largué, hein, utilisé. Il m'arrive aussi d'être largué lorsque les gens parlent trop vite dans une langue. Utilisez vraiment la structure être largué, hein, Stardust. Romand, j'ai toujours du mal à convaincre les gens car c'est toujours très largué. Pas vraiment, parce que je suis largué peut-être. Sophia, j'étais totalement largué sur la foulée de GameStop. Mais maintenant, je le comprends après une émission à la télé ce matin. Oui, c'était bizarre cette histoire. Moi aussi, c'était pas clair. J'étais un peu largué. Jet qui nous dit, si je ne pratique pas le français quotidiennement, je suis largué pendant le cours. C'est normal. Hillary, je suis largué. La blague, d'accord. Si vous voulez. Rock, je suis largué avec le français, ça arrive. Annabelle, je suis largué dans l'utilisation de ce nouveau clavier. Ah, vous, sur le téléphone ou sur le... Un clavier spécial peut-être, on ne saura pas. Omar, j'ai été largué avec ma femme dans différentes villes pendant les vacances en mai. Mais c'est positif pour connaître des choses nouvelles. Ah d'accord, vous êtes perdu dans ce sens-là. Dessarlika, je suis largué. Je reste chez moi toute la journée. Ah ben, ça peut arriver. Allez, la deuxième expression. Alors, je voulais justement utiliser eh bien, le verbe, puisque là, en utilisant le verbe, vous allez voir que la signification change complètement, puisque larguer quelqu'un, eh bien, ça veut dire quitter quelqu'un. Donc, et là, on parle d'une relation. Une relation entre deux personnes, vous allez larguer quelqu'un, vous allez quitter cette personne. Et regardez l'exemple, quand elle m'a dit que son travail était plus important que notre fils, je l'ai largué. Quand elle m'a dit que son travail était plus important que notre fils, eh bien, j'ai décidé de la quitter. Ça, c'est l'expression larguer quelqu'un, quitter quelqu'un. Allez, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît, avec larguer quelqu'un.
Alors, je vois que vous êtes en train de réfléchir. Je vois que vous êtes 90 également. Que si tout le monde clique, eh bien, nous nous rapprochons des 100 likes. J'espère que c'est possible. Souvent, le vendredi, c'est un petit peu plus complexe. Peut-être que les gens font la fête, peut-être que les gens sortent, les gens n'ont peut-être pas envie d'étudier le français le vendredi, ça c'est une possibilité. Alors, Ashwati, je sens que je ne suis pas largué par mon copain parfois. D'accord ? Mais il ne faut pas être largué par votre copain, ça c'est pas... Non, Renato qui dit « Moi je n'ai jamais largué quelqu'un ». Victoria qui nous dit « Je suis largué à cause de beaucoup de stress ». Donc ça c'était pour l'expression précédente. Rovin qui nous dit « À cause de mon nouveau travail, j'ai largué ma famille ». Luciana qui nous dit « Vous faites bien de la larguer ». D'accord. Vichante qui dit « Je l'ai largué après avoir découvert qu'il est méchant ». Yossi qui nous dit « Il faut larguer quelqu'un qui se comporte mal ». Vous, Slat qui nous dit « Il est difficile d'arriver à une décision si on doit larguer quelqu'un ou non ». Cosmina, le dictateur a été largué de toute sa smala quand ses proches ont compris qu'il avait perdu le pouvoir. C'est l'expression « les rats quittent le navire ». Romain, depuis que j'ai compris qu'ils aiment juste mon argent et pas moi, alors je les ai largués. Sophia X, quand j'ai trouvé qu'elle m'a invité pour son anniversaire à cause du cadeau qu'elle aurait reçu, je l'ai largué. Victoria Possé, je l'ai largué quand j'ai vu qu'il parlait trop et ça m'a rendu folle. Donc quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler peut-être. Brainwash, elle veut me larguer parce qu'elle a trouvé un homme plus riche. Benter qui nous dit, lorsque les gens jouent avec tes émotions à chaque fois, il faut les larguer. Omar qui nous dit « Je crois sans aucun doute qu'on doit larguer les gens toxiques et trop compliqués. » Hani qui nous dit « Mon travail a commencé dur, je l'ai largué. » Ouais, pourquoi pas. Hillary, je ne peux jamais larguer mes enfants. Ah ben non. Ah non. Alors là, non. Les enfants, même si parfois c'est un petit peu stressant, on ne les largue jamais. Cassandra, je suis larguée quand je suis allée aux États-Unis il y a 5 ans. La vie était tellement différente de celle de mon pays d'origine. Denora, alors, non larguée, pas votre problème sur moi. Là, j'ai pas compris, Denora, excusez-moi. Allez, la troisième expression, regardons-la ensemble. Eh bien, c'est un ou une mytho. On a vu le verbe mitonner il n'y a pas très très longtemps, qui était mentir. Et donc ici, regardez, un ou une mytho, eh bien, c'est un menteur ou une menteuse. Quelqu'un qui va raconter des mensonges. Et l'exemple, c'est une vraie mytho. Elle ment tout le temps, je la crois plus du tout. C'est une vraie menteuse, elle raconte toujours des histoires, je ne la crois plus du tout. Allez, écrivez-moi un exemple avec un ou une mytho. Thank you.
Alors je vous invite hein, encore une fois, pendant que vous écrivez, si vous êtes arrivé, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de cliquer sur le petit bouton like, eh bien faites-le, soyez généreux et généreuses, merci d'avance. Alors Annabelle qui nous a dit « Je l'ai largué parce que le niveau de vie est différent ». D'accord. Et puis Julia avait dit « Il m'a menti parce qu'il a pensé que je vais le larguer ». Faites attention, complément d'objet direct. Alors maintenant, on attaque un ou une mytho. Yossi qui dit « Il m'a menti à propos de son expérience ». C'était vraiment un gros mytho. Alors c'est vrai Yossi qu'on utilise facilement l'adjectif « gros » avec mytho. Un gros mytho. C'est vrai, c'est alors pour bien sûr pour exagérer hein, cette dimension de menteur. Brainwash, je l'ai largué parce qu'elle est vraiment une mytho. Brainwash commence à combiner. Robin qui nous dit les politiciens sont des vrais mythos. Sophia X qui nous dit une fois mytho, toujours mytho. Alors ça, Sophia X, on imagine un proverbe. Hein. C'est un nouveau proverbe que Sophia X vient d'inventer. Une fois mytho, toujours mytho. Stardust, c'est un mytho de que les questions sont stupides. Parfois, les réponses sont... Ah oui, d'accord. Alors attendez, je clique parce que voilà. Shahi qui nous dit « Je ne suis jamais mytho avec ma famille ». Hillary qui nous dit « Un mytho ne peut pas être heureux ». Yulia B, « Je suis une mytho impitoyable ». Et en plus, ça rime. Hein, c'est, enfin, ça rime pas, mais il y a un petit côté assez sympathique avec le « i » et le « yable ». Yesero, il a été exposé comme un mytho après son histoire de son ancien ami. Roman qui nous dit « Tout ce qu'ils ont écrit est faux ». Parce qu'ils sont vraiment des mythos. Luciana qui dit « Sa belle-sœur est une mytho ». Directement, simplement, une accusation simple et directe. Vous cela, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont vraiment des mythos. Victoria Thomas. « Il ne faut pas qu'on soit ami avec un mytho parce qu'on ne peut pas compter sur lui, effectivement. » Et Yann Arte qui nous dit « Je n'ai pas été aimé par un mytho. » Victoria Possé, un mytho ne sait jamais quand il ment ou il dit la vérité. Mais c'est ça le problème, effectivement. Et Yesero rit. rit de l'expression du Julia. Renato qui dit les vices en drogue sont presque tous des mythos. Cosmina, cher mytho, mythonnez-moi avec de belles histoires, avec tes belles histoires qui ne s'étaient jamais produites. Il y a toujours des gens comme ça. Il y a une série qui est vraiment sympathique qui s'appelle Serge le mytho. Je vous la recommande, c'est exactement ça. Un homme qui raconte des histoires incroyables à chaque fois, mais bien sûr, il ne les a jamais vécues. Alors attendez, Denora qui nous dit « Le Covid-19 a créé beaucoup de mythos ». Oui, brainwash, il y a aussi des femmes politiques. Ah bien sûr, oh, femme ou homme politique, l'expression c'est vrai, brainwash c'est plutôt homme politique en général. Cassandra, ne faites jamais confiance à un mytho. Allez, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais en tout cas, c'est un exercice que je trouve toujours assez sympathique. Cherchons un mot. Allez, premier, essayez de trouver un mot qui commence avec un T. Allez-y. Thank you.
Alors, c'est Dénora qui commence, qui nous met tolérance. Féminin, la tolérance. Romain, travailler. Julia, templier. Eh oui, masculin, un templier. Yesero, le temps. Très bien. Hilary qui nous dit tomate. Féminin, une tomate. Dessarlika qui nous dit tante. Féminin, une tante. Stardust qui nous dit travail. Faites attention, Stardust, si c'est le substantif, dans ce cas-là, c'est A-I-L, d'accord ? Le travail. Hein. Après, si vous conjuguez, c'est comme ça, je travaille ou il travaille. Rovin qui nous dit toujours, avec un S à la fin. Yossi qui nous dit 13. Cosmina qui nous dit translucide. Victoria Apossé qui nous dit tolérable. Renato Silva qui nous dit train, un train. Benter qui nous dit témoignage, masculin, un témoignage. Omar qui nous dit titre. Masculin aussi, un titre. Annabelle qui nous dit tendre, oh la tendresse. Victoria Thomas qui nous dit théâtre, masculin, le théâtre. Luciana Moribé qui nous dit tante, une tante. Rock qui nous dit taxi, masculin. Rovine qui nous dit tentative, féminin. Victoria Jacques qui nous dit tiens. Ça c'est une expression sympa. Moi je l'aime bien cette expression. Tiens. Ah oh, bah merci. Brainwash qui nous dit tomber. Ensuite, Marie A. Emilia qui nous dit table, féminin. Vouslat qui nous dit un temple. Cassandra qui nous dit thé, masculin. Yanarté, attention, technologie, IE, hein, pas de Y. Joseph qui nous dit un truc, ça aussi c'est formidable. J'adore un truc. Ou un machin, c'est pas mal aussi. Ashwati qui nous dit travailleur. Sophia X qui nous dit tempe, la tempe. Victoria Thomas qui nous dit télé, féminin, et Anne-V qui nous dit tabagisme, masculin, Sophia X qui nous dit la tempête, féminin, tempête. Allez, trouvez un mot, s'il vous plaît, qui commence avec la lettre M. La lettre M, allez-y. Ah, je n'avais pas vu Cherylyn, qu'est-ce que... Oui, mais Cherylyn, c'est toujours des choses scientifiques. Moi, avec Cherylyn, j'ai toujours de prononcer ces mots-là parce que ça me fait peur. Je me dis que ça va exploser à chaque fois. Alors, Ashwati qui commence dans la joie avec un verbe qu'on utilise assez rarement. Heureusement, c'est le verbe mourir. Sophia X qui nous dit menteur masculin. Rovin, même. Yossi, maladroit, maladroite. Merci pour le masculin et le féminin. Dénora qui nous dit attention, c'est merveilleux en français. Romane qui nous dit mal. Attention, mal, c'est masculin. Le mal. Yesero qui nous dit métier. Masculin, le métier. Vouslat, une machine. Cosmina, le manichéisme, effectivement. Hein. Eh oui, alors que tout est gris finalement. Tout est gris dans ce monde. Benter qui nous dit mannequin masculin. Renato qui nous dit mère, une mère. Brainwash qui nous dit mignon, qui est vraiment génial. Mignon, je trouve qu'il est formidable cet adjectif. Mignon, mignonne. Joseph qui nous dit mauvais, effectivement. Victoria Possé, merveilleux. Hilary qui nous dit un masque. Faites attention, c'est masculin. Un masque, hein, donc c'est pas féminin. Marie-Emilia qui nous dit mytho. Ah, on l'a vu. Un mytho, une mytho. Rabi qui nous dit maintenant, très bien. Stardust qui nous dit musée. Musée, c'est intéressant. Quand on regarde musée, on a l'impression que peut-être c'est féminin, mais c'est masculin. Même s'il y a « et e », hein, c'est un musée. Victoria Jacques qui nous dit « manger, c'est très facile, mais j'ai faim ». Le petit déjeuner, Victoria Jacques. Hein, on dit toujours que c'est le repas le plus important du matin. Je ne petit déjeune pas, mais il faut manger le matin. Omar, marathon masculin. Luciana, Moribé, médicaments, des médicaments. Annabelle Nouvelle, une myriade, eh oui. Rock, un moulin. Anne-Vi, méchant. Victoria Thomas, la maison. Julia qui nous dit, marrant. Pouette, pouette. Shahi qui nous dit, mort. Ok.
C'est pas très joyeux, Charlie. Que se passe-t-il ? Cassandra qui nous dit la mer. Sean qui nous dit mauvaise. Yann Arte moderne. Faites attention, Yann Arte moderne, c'est un adjectif, hein, pas d'article. Dessarlica marron. Gloria qui nous dit manucure. Et puis Cheryline qui dit mitochondrie. Je l'ai déjà vu. Oh ! Allez, on continue avec le numéro 3. Le numéro 3, c'est un mot qui arrive, qui commence, pardon, avec la lettre D. Allez-y. Alors, Sophia X qui nous donnait moule. Et moule, il est très très intéressant comme mot parce que moule, il existe au masculin et au féminin. Quand c'est un moule, c'est quelque chose que vous utilisez par exemple pour faire une tarte, pour faire un gâteau. Et si vous le mettez au féminin, une moule, c'est le fruit de mer. Donc faites bien attention, un ou une indique deux choses différentes en ce qui concerne moule. Alors Renato commence avec un dessin. Victoria Thomas, un domaine avec un E à la fin. Sophia X, la défense. Roman, drôle. Benter, dernier. Féminin, dernière. Stardust, dormir. Est-ce que vous voulez dormir, Stardust? C'est toujours intéressant les mots qu'on met. Yossi, un discours. Joseph, dingue. L'expression « c'est dingue » qui est un petit peu passée maintenant. Hillary qui nous dit « une dinde ». Dessart qui nous dit « doucement », un adverbe. Victoria Thomas, la diversité. Denora, une décoration. Rabbi qui nous dit « un détour ». Oui, masculin. Vouslat, un déchet. Cosmina, débroussaillement. Ah oui, du débroussailler, oui, d'accord, si vous voulez. Dessalika, une dinde, Ashwati, difficile, Yesero, des devoirs, Sophia X, désolé, Maria Emilia, la douche, Victoria Possé, dépendance, féminin, Victoria Jacques, déjeuner, une obsession. Alors Victoria Jacques, je ne suis pas psychologue, mais deux à la suite comme on dit, manger et déjeuner. Vous avez faim Victoria Jacques, il faut manger. Robin, de rien. Bickert, bonjour Bickert, on continue avec vous. Omar, désolé. Brainwash, le diable. Julia qui nous dit drôle. Yann Arte, le dictateur, eh oui. Fameux film de Charlie Chaplin. Bickert, la détermination. Annabelle Nouvelle, un donut. Hein, prononcé à la française, un donut. Des fois, on dit un donuts. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est comme une fois, on m'avait dit un brownies. Alors ensuite, Rock qui nous dit dépendance, Shahi qui nous dit demande. Faites attention, demande, pas d'accent et c'est féminin. Marcus qui nous dit bonjour monsieur Lunette, bonjour monsieur Marcus. Gloria qui nous dit main droite. Ah, droite, d'accord. Luciana qui nous dit Dieu, effectivement, avec une majuscule, c'est très bien. Chrismo qui nous dit dalle. Victoria Jacques rigole parce que... Oui, mais parce qu'il faut manger quand même. Il faut manger. Manger, c'est important. Tom qui nous dit devenir. Anne-Vi qui nous dit dur. Et Cherylyn, c'est même pas la peine. Je ne vais pas lire votre mot. Na. Alors, Sean Walker, démonter, oui, démonter, le contraire de monter, hein, monter quelque chose, assembler quelque chose, désassembler, démonter. Hein. Sean, c'est bien, pas de problème, et Cassandra qui nous disait dimanche. Et Cosmina qui dit
C'est la base de l'ADN, mais très bien, très bien, très bien. Mais après, moi, je suis stressé. Ah, ce sont des mots qui font très, très peur, hein, quand même. À vous la parole. Alors, attention, attention. Il y avait un livre qui est assez intéressant, qui s'appelle « Le voleur d'amour », qui est un livre qui a été écrit par Richard Malka. Et dans une interview que j'ai vue de Richard Malka, il disait quelque chose qui était assez intéressant, mais je ne sais pas si je partage cette opinion. Et il disait, aimer quelqu'un, c'est renoncer à sa propre liberté. Donc c'est le point de vue de cet homme, de Richard Malka. Richard Malka considère que si vous aimez quelqu'un, vous renoncez à votre propre liberté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Une phrase, s'il vous plaît. Alors encore une fois, je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Je pense qu'il y en a, puisque je vois que les gens arrivent et partent. Si vous n'avez pas encore cliqué sur like, eh bien s'il vous plaît, ce serait très très gentil. Alors, c'est Marcipane qui commence et qui nous dit ben oui, c'est vrai, je suis marié avec des sourires et un personnage qui pleure tellement il rit. Luciana qui dit je pense que ça dépend des gens et de la situation, mais c'est possible, j'imagine. Benter qui nous dit oui et non, ça dépend. Benter, carrière de diplomate. Une carrière de diplomate ou de politicien. Oui et non, c'est possible. Brainwash, ça dépend des femmes en fait. Yesero qui dit en effet, je ne suis pas d'accord avec cette phrase car il est possible d'aimer quelqu'un et de maintenir vos propres intérêts. Luciana qui dit tout simplement, mais c'est vrai. Sophia qui dit « Je ne suis pas d'accord avec cette expression ». Ice Cubes qui dit « C'est une approche intéressante, mais qui est dit que nous sommes nés totalement libres ». Ah ben oui, bien sûr, on peut développer, on peut aller très très loin ensuite, hein, Ice Cubes. C'est vrai, il n'y a pas de limite après, on peut développer les questions avec d'autres questions. Victoria Thomas qui dit « Non, je crois qu'il ne faut pas renoncer, car la liberté est une définition d'un être humain. Il faut faire d'autres amis, il faut chercher sa vocation et aimer son homme, mais pas renoncer. » Hillary qui nous dit « Oui, c'est le sacrifice. » Alors, c'est une phrase très courte, hein, Hillary, mais ça fait peur. Là, on a très peur quand on lit ça. C'est le sacrifice, mesdames et messieurs. Yossi qui nous dit « Aimer quelqu'un, ce n'est pas renoncer à sa liberté. » Et alors là, c'est lui donner un sens. Yossi sera notre philosophe, le philosophe du jour. C'est Yossi qui donne une très très belle définition. Merci beaucoup Yossi. Yulia qui dit « Souvent, c'est comme ça malheureusement, mais ça devrait être différent. Il faut que les amants cèdent chacun de s'ouvrir. »
Je n'ai pas compris la phrase, la dernière partie de la phrase, Julia. Joseph, je pense que oui, si vous êtes amoureux avec quelqu'un, vous avez envie de partager l'amour aussi. Vous, Slat, non, je ne crois pas. Ça dépend de la personne avec qui on tombe amoureux. Cosmina qui dit, c'est vrai. Dans une relation, il y a la nécessité de faire des compromis. Ah ben oui, mais on peut continuer comme Ice Cubes, c'est-à-dire est-ce que faire un compromis, c'est automatiquement renoncer à sa liberté? Ça, c'est une discussion. Ice Cubes, je ne dis pas, mais je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Stella qui dit, ce n'est pas vrai à mon avis, parce qu'aimer quelqu'un est comme découvrir un autre monde à l'intérieur. Omar qui nous dit, à mon avis, aimer n'est pas dire renoncer à liberté, mais une opportunité pour vivre beaucoup de choses que si on est seul, peut-être c'est plus difficile. Bah peut-être. Victoria Possé, je suis d'accord avec l'expression que la liberté est toujours perdue. Ah, une sorte de fatalisme. Là, Victoria Possé, il y a un fatalisme. Romande, et c'est vrai, parce que quand on est seul, on peut faire ce que l'on veut. Mais quand on a une famille ou que quelqu'un fait partie de soi, on vit au quotidien, il est donc difficile d'être seul. Annabelle Nouvelle qui nous dit non, parce que la liberté c'est un grand cadeau avec modération. Marie-Emilia qui nous dit l'amour sans liberté est un échec. Rovine qui nous dit non, je pense qu'aimer quelqu'un et perdre sa liberté, est-ce que c'est ça? Peut-être. Denora, je ne suis pas d'accord. Cassandra qui nous dit, je suis d'accord, c'est votre sacrifice pour l'amour. D'accord. Ah, c'est pareil, hein. C'est un petit peu, c'est triste tout ça. Renato, je ne suis pas sûr que j'ai compris, Renato Silva, votre phrase. Stella, admettre nos émotions est comme être libre et ne rien cacher pour nous. Bickert, oui, comme si, comme ça. D'accord, ça commence. On sent la négociation qui arrive, mais c'est possible d'être libre avec quelqu'un. Et bien sûr, ça peut être un problème de personnalité si les couples doivent se sacrifier et finalement les problèmes disparaissent. Sophia X qui dit, en vérité, il y a des hommes qui tuent des femmes et des enfants quand les femmes veulent les larguer. Ah bah oui, non mais qu'est-ce qui se passe, Sophia? Là, on va dans l'extrême. Là, on parle de liberté en général. Bon, très bien. Est-ce que c'est vous sur la photo? Bah non, c'est pas moi. Ah non, j'espère. Non, c'est pas moi qui écris ce livre. Hein. Très bien. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur like. Merci. Alors, les nombres du jour, eh bien, c'est comme d'habitude, les nombres du jour, vous le savez, on va en faire quelques-uns. Hop, on va commencer avec le premier, il y a un chiffre, et donc je ne vais le lire qu'une seule fois, et c'est 7. Écrivez-le, merci. Alors, pour le moment, tout va bien, il n'y a pas de problème, hein, donc c'était relativement facile. 7, vous avez tous bien écrit, donc pas de problème. On continue avec le numéro 2, et le numéro 2, bien évidemment, nous avons deux chiffres. Je vais le lire une seule fois. 14.
Alors là encore, faites attention, El Ladongo, c'était le risque. Hein. Le risque, c'était de, eh bien, de confondre 14 et 40. Et là, vous avez écrit 40, c'est pas grave. C'est une erreur assez classique. Donc, souvenez-vous, 14, ce que vous voyez à l'écran, et 40, ce que vous avez écrit. D'accord ? Pas de problème, vous ne ferez plus l'erreur. Numéro 3, regardez. Eh bien, 3 chiffres là aussi. Une seule lecture. Attention. 927. Essayez aussi, il arrivait juste après, et c'est bien, effectivement. Je regarde les autres, alors attendez, ouais, pas de problème. Pour le moment, je dis bravo, 927, donc 9, 2 et 7. 927, pour le moment, il n'y a pas de problème, on continue avec le quatrième, et toujours la même logique, c'est-à-dire que nous aurons, eh bien, 4 chiffres, une seule lecture, 3590. Un discoman. Alors, attention, attention, là il y avait quelques petites erreurs. Yossi, regardez, vous étiez un peu trop généreux. Hilary aussi. Luciana, attention, attention. Marcipan, c'est la même chose. Donc c'était 3000, on est d'accord. Après, c'était 500. Et puis finalement, 90. 3590. 3, 5, 9, 0. 3590. Allez, si on continue avec le cinquième, bien évidemment, 5 chiffres, et on y va. Alors, une seule lecture, ça devient un petit peu difficile. 73984. 973984. Alors, Cosmina qui nous dit au revoir parce que son fils arrive à la maison. Au revoir, un grand coucou à votre fils et passez une très très bonne soirée avec lui. Alors regardons ce que vous mettez. Ici donc 73 000, ouais, faites attention Rabi, vous étiez un petit peu loin. Je regarde les autres, 900, donc là vous l'aviez, et puis 84, ouais. Et là faites attention, c'était pas 943, mais 980. 4, d'accord. Georgia Ball, allez-y doucement, d'accord, tranquille, mettez juste une chose, c'est pas la peine d'en mettre trop, sinon je vais être obligé de vous bloquer, et ce serait très dommage tout de même. Alors, 73 984, d'accord. Numéro 6, nous aurons bien sûr 6 chiffres, d'accord. Je vais les lire 2 fois maintenant. 596 417. 596 417. Allez-y.
Georgia Ball, yeah, this lesson is only in French, okay? So if you want to participate in the English version, in that case, it will be on Monday, d'accord? So that's the reason why it will be difficult to interact with you, because the only language that we'll use during this lesson is French. Alors, dans ce cas-là, regardons un petit peu ce que vous avez écrit. Ouais, donc c'était 596, donc la première partie, 1000, donc là on est d'accord, 417, la dernière partie, 596 417. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Et le dernier, bien sûr, numéro 7, avec 7 chiffres. Et donc là, je vais le lire encore une fois, et bien deux fois. Attention, attention. 8 652 035. 8 652 035. Écrivez, s'il vous plaît. Alors, je regarde, ouais, c'est bien. Donc, première chose, hein, on est d'accord, 8 millions, souvenez-vous, 8. Mais quand on va le mettre, le combiner avec 1000 ou 100 ou millions, on ne prononce pas le T final. 8 millions, d'accord. Ensuite, 652 000, 6, 5, 2. 35. Je ne prononce pas le 0, bien sûr, mais 0, 3, 5. Donc, je le répète, 8 652 035. Merci beaucoup, en tout cas. N'oubliez pas de cliquer sur le like. On s'approche des 100. S'il vous plaît, je voudrais que nous arrivions à 100 likes, et c'est possible. Allez, la meilleure personne, à votre avis, regardez cette personne et vous pouvez continuer la phrase en me disant, eh bien, je pense que c'est la meilleure personne pour continuer la phrase. Allez-y. Alors, Michael Oliveras nous rejoint. Bonjour, bonjour. Anne-Vic, dis-nous, j'ai abandonné. Continuez. Alors, j'attends. Yesero est le premier. C'est un homme courageux. C'est un homme courageux, Yesero, qui nous dit que c'est la meilleure personne pour poser pour une photo. Elle a un beau sourire. Faites attention, Yesero, sourire, c'est masculin, d'accord? Donc, votre adjectif, eh bien, vous allez l'adapter. C'est un beau sourire. Elle a un beau sourire. Yulia qui nous dit c'est la meilleure personne pour sourire. N'oubliez pas de mettre un E à la fin de votre verbe. Yossi, c'est la meilleure personne pour faire des sottises.
D'accord, Victoria Possé, c'est la meilleure personne pour aller faire du sport. C'est possible. Bickert, c'est la meilleure personne pour pouvoir être dans toutes les conditions à côté de vous. Benter, c'est la meilleure personne pour être journaliste. Vouslat, c'est la meilleure personne pour être une amie, finalement. Yann Arte, c'est la meilleure personne pour faire du sport. Annabelle, c'est la meilleure personne pour saluer les invités. Sophia X, c'est la meilleure personne pour être une amie et partager tes loisirs. Attention, Sophia, en général, loisir, on va le mettre au pluriel. Tes loisirs. Anne-Vi, c'est la meilleure personne pour danser. Dénora, c'est la meilleure personne pour être courageuse. Joseph, c'est la meilleure personne pour être ma femme. Et qu'est-ce qui se passe, Joseph? On ne choisit pas les femmes comme ça. Charlie, c'est la meilleure personne pour chanter. Hillary qui nous dit, c'est la meilleure personne pour poser une question. Tenzin qui nous dit, c'est la meilleure personne pour connaître toutes les cultures. Stardust qui nous dit, c'est la meilleure personne quand vous voulez passer une journée amusante, pleine de rire. Elle respire la joie de vivre. Bah oui, c'est vrai qu'elle a l'air très joyeuse. Stella, c'est la meilleure personne pour vous convaincre d'aller chez le dentiste régulièrement. Ça, c'est vrai. Rock, c'est la meilleure personne pour chanter. Roman, parce qu'il est toujours là quand j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir. Ah, elle, c'est une femme. Rovine, c'est la meilleure personne pour la danse. Soubine qui nous dit, c'est... Ah, bonsoir, Soubine, participez. Ella, c'est la meilleure personne pour faire de la musique. Cassandra, c'est la meilleure personne pour devenir une influenceuse de la mode. Ça, c'est possible. Victoria Thomas, c'est la meilleure personne pour être une modèle ou une mannequin. Omar, c'est la meilleure personne pour parler sur les droits de l'homme. Dessalika, c'est la meilleure personne pour être active. Sherilyn, c'est la meilleure personne pour incarner Kamala Harris, à part qu'elle ne soit une actrice ou qu'elle ne peut pas parler anglais américain. Ça, on ne sait pas. Stella, c'est la meilleure personne pour nous montrer de l'importance d'avoir un beau sourire. Stella, elle continue. Elle continue dans la logique. Et vous avez raison. Allez, traduction de phrase, c'est ce que j'avais préparé pour hier, mais nous avons dû arrêter parce qu'il y avait les révisions de mathématiques pour Nicolas. Traduction de phrase, je vous propose des phrases en anglais et vous me proposez, comme d'habitude, une traduction en français. Nous pouvons bien sûr négocier, nous pouvons discuter, tout est possible. Je vous ferai une proposition, mais il y a d'autres alternatives. Regardons la première phrase. This morning, when I got up, it was minus 25 degrees. Comment est-ce que vous pourriez traduire cela en français? Allez-y. Alors, je le rappelle encore une fois, nous avons 90 likes. Idéalement, il m'en faut encore 10 pour atteindre les 100 likes. Si vous n'avez pas encore cliqué, c'est le moment ou jamais. Allez-y, cliquez s'il vous plaît. Alors, je regarde vos phrases, puisque vos phrases commencent à arriver. Alors, voici ce que je proposais ce matin.
Quand je me suis levé, il faisait moins 25. Qu'est-ce que vous me proposez, Yossi, ce matin? Quand je me suis levé, il faisait moins 25. Eh bien, voilà, Yossi, nous avons la même version. Joseph, c'était... Oui, on peut dire c'était, mais c'est pas vraiment, vraiment ce qu'on va utiliser en général. On utilise le verbe faire et on l'utilise normalement à l'imparfait. Quand on parle de la température, hein, il faisait, là c'est quelque chose qui dure. Je me suis levé, Julia, je me suis réveillé. Alors faites attention, Julia, petite différence, se réveiller, c'est quand vous ouvrez les yeux. Se lever, eh bien c'est physique, c'est quand vous allez vous lever. Hein. Donc à vous de décider, personnellement j'avais mis lever, se lever, puisque se réveiller, je peux me réveiller plusieurs minutes, plusieurs heures avant de me lever, c'est possible. Je regarde vos autres formes, il faisait, d'accord, ouais, donc on n'utilise pas il être, il était, pardon, Rovine, il était, non, il faisait, ça je pense que c'est la meilleure solution, et oui, c'était, c'est la même chose, Tenzin, c'est pas vraiment ce qu'on va utiliser, utiliser faire, hein, quand on parle de la température, c'est plus facile et puis c'est plus correct. Deuxième phrase. I told Nicola to dress warmly for school. Eh oui, Chérilyn. Ah, c'est pour ça que je mets des fleurs avec de l'eau sur le balcon et ça gèle. C'est pour ça, c'est possible. Allez, comment vous pouvez traduire cette phrase? I told Nicola to dress warmly for school. Allez-y. Alors, ça commence, et c'est Yessero qui, encore une fois, est très très en forme aujourd'hui. Yessero qui nous dit, j'ai dit à Nicolas, alors faites attention Yessero, parce que le verbe, c'est s'habiller, hein, c'est un verbe pronominal, et donc de s'habiller, hein, n'oubliez pas le pronom ici. Je regarde Yossi, j'ai dit à Nicolas, ah, j'ai dit à, faites attention aux prépositions, hein, dire à quelqu'un, hein, souvenez-vous, dire à quelqu'un. Donc j'ai dit à Nicolas de, et là on n'oublie pas la préposition, pour le verbe. J'ai dit à Nicolas de s'habiller. Alors l'adverbe chaudement, il y a aussi plus chaud, bon si vous voulez, oui, pourquoi pas. Hilary, attention, chaud c'est un adjectif. Donc les adjectifs, vous les combinez avec des substantifs, avec des noms. Ici, on veut le combiner avec un verbe, donc c'est un adverbe, hein, chaudement, d'accord? S'habiller chaudement. Victoria, faites attention parce que plus chaleureux, ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution. Chaudement, c'est vraiment l'adverbe, hein, que vous pouvez peut-être noter quelque part. Chaleureusement, c'est plutôt pour les émotions, hein, chaleureusement. Ici, c'est vraiment chaudement, c'est pour, eh bien, tout simplement, ouais, hein, Sophia X, chaudement, ouais, c'est la connexion avec chaud, chaud, chaude, chaudement. On continue avec la troisième phrase. La troisième phrase, la voici. I made myself a coffee and thought about what I should do. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Allez-y. Alors, Joseph qui demande, pourquoi est-ce que vous ajoutez le mot « aller » pour la phrase en français?
Oui, parce que tout simplement, parce que pour l'école, en français, ce serait très très bizarre, Joseph. En anglais, c'est possible, mais en français, ce serait bizarre de dire s'habiller chaudement pour l'école. Là, c'était vraiment pour aller à l'école. Hein. C'était ça le concept ici, c'est d'aller à l'extérieur. À l'école, il n'y a pas de problème. L'école de Nicolas est chauffée. Donc, il n'a pas besoin d'être habillé chaudement à l'école. Mais pour aller à l'école, oui, ça c'est clair. Alors ici, oui, Victoria Possé, je me suis fait un café, pas de problème. Personnellement, j'ai mis je me suis préparé, mais c'est la même chose. On est d'accord qu'on est obligé d'avoir cette notion de se préparer quelque chose. Faites attention, Julia, je me suis préparé. Le verbe, c'est se préparer ou se faire, pas de problème. Je me suis fait un café, je me suis préparé. Un café, d'accord? Et après ça, on va utiliser penser ou réfléchir. Vous proposez réfléchir, c'est parfait. J'ai réfléchi à ce que je devrais faire. J'ai pensé à ce que je devrais faire. Devrait doit être ici au conditionnel présent. Devrait des E-V-R-A-I-S. Donc, je me suis fait un café, j'ai pensé à ce que je devrais faire. Félicitations, Annabelle, c'est très bien. Vous, Slade, j'ai préparé un café. Oui. Alors, bon, préparer, c'est un petit peu plus général, pourquoi pas. Je me suis préparé un café parce que c'est pour moi. Hein. Mais il n'y a personne d'autre, déjà. Et c'est vraiment pour moi. C'est juste pour moi et c'est pas pour les autres. Donc ici, ce serait plutôt cette notion de se préparer ou se faire. Allez, on continue avec la quatrième. La quatrième, regardez. Nicolas finished school at a quarter past one and went home. Comment est-ce que vous pourriez traduire cette phrase en français, s'il vous plaît? Et pendant que vous écrivez, s'il y a des nouvelles personnes qui n'ont pas encore cliqué sur le petit bouton like, eh bien, cliquez sur le bouton like. Mon objectif personnel, c'est d'arriver à 100 likes. J'espère que ce sera possible aujourd'hui. Alors, c'est Chériline qui commence et qui nous dit, donc Nicolas a terminé l'école, oui. Alors, première option, terminer, vous le mettez, pas de problème. Finir, moi, personnellement, j'ai mis finir. On est d'accord que les deux sont tout à fait synonymes dans ce contexte. A terminé l'école, a fini l'école à une heure, donc effectivement, ça c'est féminin heure, donc ça doit être une heure. Écart, hein? On est d'accord que c'est écart. Attention, Hillary, pas d'article, hein? C'est pas et le car, non, 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 c'est écart, hein? Pas de le. Et il est rentré, donc ici on va utiliser le verbe rentrer à la maison, rentrer chez lui, nous dit Yessero, pourquoi pas. Faites attention, rentrer ici, eh bien on va le construire avec être, d'accord? Il est rentrer. Donc, on doit le laisser avec le E accent aigu parce que ça n'est pas le féminin. Donc, il est rentré à la maison. Joseph, il est allé chez lui.
Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Il est allé chez lui, mais bon, l'idée c'est plutôt de rentrer à la maison, c'est l'expression qu'on va utiliser. Cassandra, il est allé chez lui, d'accord, si vous préférez. Bon, ça peut être négociable. Après, je regarde. Il est arrivé chez nous, Sophia X. Oui, pourquoi pas. Attention, arriver, vous allez utiliser avec être. Hein. Il est, est arrivé chez nous, pourquoi pas. Il est rentré chez lui, nous dit Omar. Pas de problème, là c'est la même chose. D'accord, donc Nicolas a fini, a terminé l'école à 1h15 et il est rentré à la maison, rentré chez lui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Rentré chez nous, nous dit Luciana aussi. Aller à la maison, donc tout ça c'est bien. Souvenez-vous, aller, rentrer, arriver, on va utiliser l'auxiliaire être. Il est rentré, il est allé, il est arrivé. D'accord? Allez, numéro 5. Numéro 5, eh bien voici la phrase. The sun was shining all day long and the sky was magnificent. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Allez, on se rapproche des 100 likes, il y en a 94, cliquez si vous ne l'avez pas encore fait, c'est possible, soyons optimistes. Julia, qu'est-ce que c'est? Il fait beau. Ben non, tout ça, ça doit être au passé, un petit peu de courage. Alors, regardons. Cherylline, le soleil brillait toute la journée et le ciel était magnifique. Et ben voilà, regardez, on a exactement la même chose. Stardust, le soleil brillait toute la journée et le ciel était magnifique. Voilà. Donc, le verbe ici, idéalement, hein, je regarde hein, ce que vous écrivez, mais idéalement, le verbe, c'est briller. D'accord? Briller doit être à l'imparfait parce que ça dure dans le passé. Donc ici, ça va être à l'imparfait brillait. Troisième personne du singulier, B-R-I-L-L-A-I-T. Ensuite, toute la journée, toute doit être au féminin, parce que journée, c'est féminin. T-O-U-T-E. D'accord? Et puis, le ciel était encore de l'imparfait, c'est quelque chose qui dure dans le passé, donc logiquement on le met à l'imparfait. La forme c'est était, E accent aigu, si vous avez l'accent aigu, T-A-I-T. Le soleil brillait toute la journée et le ciel était magnifique. Et oui, c'était hier parce qu'aujourd'hui c'était un petit peu différent. Merci beaucoup. Ooh. Allez, le pire endroit, 96 likes, nous nous rapprochons des 100, il en manque 4. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, c'est l'occasion de nous rapprocher des 100, ce serait formidable, 87, 97, on s'en rapproche. Le pire endroit, à votre avis, c'est le pire endroit pour imaginer la suite.
Alors vous envoyez 100, moi j'envoie juste 99, mais là j'envoie 100, j'espère que je peux juste... C'est ma petite danse. Oui! Voilà, on a dépassé les 100, au moins on l'a fait, comme ça c'est réglé. Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Vous, Slat me dit, c'est le pire endroit pour être seul. C'est vrai que c'est un petit peu terrible comme endroit pour être seul. Yossi qui nous dit, c'est le pire endroit pour rester bloqué toute la journée. Oui, Victoria, c'est le pire endroit pour dormir en hiver, ça c'est vrai. Ensuite, Joseph qui nous dit, c'est le pire endroit pour un géant ferré. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Rovine, c'est le pire endroit pour dormir. Yulia, c'est le pire endroit pour inviter un éléphant. Un éléphant pour prendre le thé, probablement. Bickert, c'est le pire endroit pour rester toute la nuit. Ça peut être dangereux, c'est vrai. Yesero, c'est le pire endroit pour avoir une grande famille. Imaginez. Les dîners familiaux et après pour dormir, ça doit être intéressant. Denora, c'est le pire endroit pour passer des vacances. Sophia X, c'est le pire endroit pour passer une nuit. Victoria Possé, c'est le pire endroit pour aller oublier quelque chose ou quel... Oui, peut-être. Yann Arte, c'est le pire endroit pour aller aux toilettes. C'est bizarre, c'est très bizarre. Victoria Thomas, c'est le pire endroit pour dormir en hiver. Michael, c'est le pire endroit pour travailler. Annabelle qui nous dit, c'est le pire endroit pour avoir faim. Alors peut-être qu'on peut cuisiner, on ne sait pas. Renato, c'est le pire endroit pour avoir une tempête. Ah, Ice Cube, c'est la même chose, c'est le pire endroit pour chercher les toilettes. Ah, c'est derrière l'arbre. Derrière l'arbre, à droite. Benter, c'est le pire endroit pour avoir des enfants. Stardust, c'est le pire endroit pour avoir plus qu'un invité, c'est ça. Roman, c'est le pire endroit que je n'aime pas ici. D'accord, ça c'est... Envy, c'est le pire endroit pour, encore une fois, aller aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe avec les toilettes? Sean Walker, c'est le pire endroit où vivre pendant une tempête de neige. Ça, c'est vrai. Tenzin, moi, c'est rester au milieu de la personne qui pensait toujours mal. Oui, Tenzin, est-ce que vous peut-être rafraîchissez? Gloria, c'est le pire endroit pour un rendez-vous ou pour voyager, c'est ça? Hervé vit voyage. Je ne suis pas sûr que j'ai compris, Gloria. Omar, c'est le pire endroit pour faire la fête à l'intérieur. Ah, j'ai une blague que je ne dirai pas là, mais qui est bonne. Cassandra, c'est le pire endroit pour organiser une fête. Oui, ah, c'est la même chose. Pour danser, c'est minimaliste. Vous restez, vous dansez comme ça, sur place. Dessarlica, c'est le pire endroit pour passer les vacances. Shahi qui nous dit, c'est le pire endroit pour, oui, neiger. S'il neige, c'est vrai que ça doit être terrible. Et Fizzle qui nous dit, c'est le pire endroit pour prendre des vacances luxueuses. Mais moi, j'aime ça. Et Hillary qui dit, c'est le pire endroit pour prendre le train. Peut-être. Alors, je ne sais pas. Allez, on va le faire quand même. À vous la parole. Le passé est-il important dans notre présent? Eh oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que finalement, le passé est quelque chose qui est très très important dans notre présent? Ou est-ce que ce qui est derrière nous est juste derrière nous? Alors, la blague que... Non, je raconterai pas, non.
Alors, je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire, je ne sais pas si vous êtes à court d'idées. J'espère que vous avez une idée sur cette question. Luciana qui nous informe que nous avons 102 likes. Et oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis un homme heureux puisque nous avons dépassé les 100 likes. Alors la question, c'est une question qui effectivement... je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le passé est important dans notre présent, c'est-à-dire que ce que nous avons fait ou ce que les autres ont fait, eh bien, est toujours, toujours important dans notre présent ou pas? C'est à vous de me répondre. Écrivez-moi une petite phrase. Alors, Ice Cube, ce qui dit « Si le passé affecte trop le présent ». D'accord. Yesero qui dit oui, tout à fait, car le passé fait ce que nous sommes aujourd'hui. Rovin qui nous dit oui, le passé décide de notre présent. Denora qui nous dit l'histoire, donc le passé n'importe pas. Yulia qui nous dit les leçons du passé sont importantes, sinon oubliez tout, le passé n'existe pas. D'accord. Mais il existe quand même, non? Oh, peut-être pas finalement. Yossi, oui, parce qu'il permet de mieux vivre le présent. Sophia qui nous dit « Si nous pouvons tirer les leçons et les expériences du passé pour nous aider à avancer. » Annabelle qui nous dit « Oui, car cela nous aide à mûrir en regardant vers l'avenir. » Hilary qui dit « Oui, nous apprenons du passé. » Luciana qui nous dit « Le passé devrait nous montrer le meilleur chemin pour le futur. » Omar qui dit « Je crois que dans notre présent, c'est très important de connaître aussi le passé, au moins pour ne pas faire les mêmes erreurs. » Benter qui nous dit « Bien sûr, parce qu'on apprend de son passé, de son histoire. » Vouslat qui nous dit « Oui, le passé est important dans notre présent car il influence notre psychologie d'aujourd'hui. » Bickert qui dit « Je pense que non. C'est important de vivre ce que nous vivons en ce moment. » Roman qui nous dit « Oui, pourquoi pas, car prendre de meilleures décisions dans notre vie actuelle signifie que nous apprenons de nos erreurs passées. » Cheryline qui dit « Oui, absolument, nous devons utiliser les leçons que nous avons tirées du passé pour améliorer notre présent. » Et puis Renato qui nous dit « Le passé est important parce que cela nous donne de l'expérience à vivre. » Stardust qui nous dit « Le passé est ce que nous sommes aujourd'hui, mais le passé est passé. » Et devrait rester là-bas. Yann Arte, oui, nous avons une progression pour devenir de le passé. Oui, ça j'ai un petit peu du mal à comprendre. Dessart, le passé est important car il nous permet de corriger les erreurs qu'on a faites dans le passé. Très bien, merci beaucoup. Attention, Fizzol, bonne question. On a besoin de penser au passé, mais de ne pas le ressasser. Et ça, c'est vrai. Allez, on a encore deux exercices et après je vais vous libérer. Alors, à vos téléphones, mais je crois qu'Andrea a disparu. Donc, à vos téléphones, eh bien, c'était la possibilité, encore une fois, d'envoyer des photos à l'adresse vosphotos@fluentuplus.com et un petit texte pour aller avec et nous ferons un petit exercice avec. Et là, c'était Andrea. Et Andrea a écrit... Je veux vous envoyer une nouvelle photo. J'ai fait cette photo quand je suis allé en France avec l'école pendant 3 mois. J'habitais à Nice chez une personne, mais pour un week-end, je suis allé à Paris tout seul. C'était mon premier vol en avion.
J'adore la France. Ça, c'est Andrea. Andrea était là au début du cours, mais je pense que Andrea avait autre chose à faire. Et donc, première chose, merci Andrea pour effectivement avoir envoyé cette deuxième photo. Et deuxième chose, eh bien, regardez. Si nous décidons de nous retrouver tous quelque part en France, dans quelle ville voudriez-vous que nous nous rencontrions ? Imaginons que nous avons la possibilité, après la pandémie, avec bien sûr des vaccins, des masques, etc., si vous vouliez que nous nous retrouvions en France, dans quelle ville voudriez-vous que nous nous retrouvions ? Faites-moi une proposition. C'est Ice Cube qui dit je dirais Lyon. Ah ben c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, hein, parce que Lyon, zip, on se souvient de l'histoire de Lyon. Victoria qui nous dit à Paris. Cherylyn qui dit que c'est une belle photo. Sonic qui nous dit Londres. Pourquoi pas ? Mais Londres, ça n'est plus l'Union Européenne. C'est compliqué, Sonic, pour aller à Londres maintenant. Hein. En tout cas, quand on vient de l'Union. Yossi, bien sûr, à Paris, parce que c'est classique. Luciana qui dit « Je voudrais vous rencontrer tous à Paris ». Hillary qui dit « Paris aussi ». Ice Cubes, elle est toute seule à Lyon. Ça, c'est parce que vous n'avez pas visité l'autre fois. Alors, Rovine qui dit « J'aimerais Paris ». Benter, Paris, c'est mon rêve. Dessart qui nous dit « Dans une ville où se trouve le meilleur fromage de France ». Il y a beaucoup de fromages, hein, on a vu ça. Et vous pouvez en trouver partout, des fromages. Yessero, je voudrais que nous rencontrions à Monaco. Alors, Monaco, officiellement, faites attention, c'est très délicat, ça n'est pas la France, hein. Moi, je ne veux pas de problème dans les restaurants 5 étoiles et faire un pari. Ah, vous voulez aller au casino, Yessero. Yessero veut aller au casino. Alors, techniquement, Yessero, les meilleurs restaurants ou la plus grande concentration d'étoiles Michelin en France, c'est dans la ville de Lyon. À Lyon, vous avez une concentration de restaurants qui sont étoilés Michelin. Donc vraiment, 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 c'est là-bas qu'il faut aller, si vous voulez. Alors, regardons. Vous n'irez pas de toute façon, nous dit Julia. On ne sait pas si on peut voyager. Chut. Sophia, j'aimerais à Saint-Malo. Ah oui, formidable ville Saint-Malo, j'adore. Dénor à Marseille, Annabelle Porquerolles, oh c'est très joli Porquerolles, Renato Silva Marseille, alors Victoria, non, le ah oui Victoria, vous êtes toujours sur le passé Victoria Thomas, vous devriez rafraîchir. Bickert, avant toute chose, certainement je voudrais aller en France, la vie n'est pas importante, d'abord peut-être à Paris, oui. Et Sonic qui dit, bon d'accord, Paris. Roman qui nous parle de Monaco. Ah, je veux bien, mais c'est pas la France. Hein. Moi, je ne veux pas dire que Monaco, c'est la France. C'est une petite enclave. C'est une principauté. Vouslat, je voudrais que nous nous retrouvions à Lyon, car j'ai déjà visité Paris. Victoria qui dit, peut-être un endroit facile pour commencer, puis aller vers le sud. Il y a une chanson qui s'appelle Le Sud, on dirait Le Sud. Cherylyn, Provence ou Grasse peut-être, quelque part dans le sud de la France. Cherylyn, vous n'êtes pas très courageuse avec les températures fraîches, j'ai remarqué ça. Cherylyn, elle veut rester dans un climat qui est assez tempéré ou chaud.
Omar, je voudrais que nous nous rencontrions à Strasbourg. Magnifique, magnifique église. Et puis, Strasbourg, quand même, il y a des sacrées saucisses. Et la choucroute, oh, ça c'est incroyable. Stardust, si je pouvais voyager en France, mais loin des touristes, la vraie France, c'est un beau pays. À Paris, j'ai mes endroits préférés que j'aime beaucoup. Victoria qui dit, j'ai demandé qui voulait venir avec moi. Seul Vincent a répondu, dans le sud. Ah, moi je vais partout, moi. Moi je suis toujours content de partir, pas de problème, Yesero, je le savais, donc je change mon avis. Yossi, la question était, quand on part en France, il manque cette parole dans le texte. Dans quelle ville? Non, l'idée c'est de se retrouver, si on se retrouve pour prendre un verre, dans quelle ville nous retrouverions-nous? Très bien, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Allez, c'est le dernier exercice pour aujourd'hui, c'est dicté actualité. J'avais deux choses uniquement aujourd'hui. C'est en référence à ce que j'ai dit tout au début. Donc une toute petite seconde que je ne vous donne pas. Voilà, la première chose, c'est une phrase assez simple, je vais la lire deux fois comme d'habitude et vous allez l'écrire. J'ai regardé un documentaire très bon sur la cinéaste Alice Guy. J'ai regardé un documentaire très bon sur la cinéaste Alice Guy. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, c'est Yossi qui commence, effectivement. En fait, je disais pas très beau, mais j'ai dit très bon, c'était une nasale. Je ne sais pas si les autres vont l'avoir entendu, si apparemment. Donc ici, bien sûr, le verbe regarder au passé composé, avec avoir, j'ai regardé. Documentaire, eh bien c'est masculin, un documentaire. Très bon. Là, on parle de la qualité, on ne parle pas du côté esthétique. Hein. Je dirais très beau si vraiment c'était esthétiquement très très beau. Ici, je parle vraiment de la qualité du documentaire. Donc très bon sur, et donc après c'est féminin, la cinéaste, avec un accent aigu idéalement, Alice Guy. Alice Guy, je vous avais présenté Alice Guy. Donc le documentaire est vraiment, je vous conseille ce documentaire, il est incroyable. Donc ça s'appelle Be Natural. Et Alice Guy, c'est en fait une personne que je vous avais présentée il y a longtemps dans les exercices. C'est la première femme qui, dans l'histoire du cinéma mondial, a fait une fiction. La première fiction qui a été faite au cinéma, c'est une femme qui a fait cette fiction. Elle a fait énormément, énormément de films, mais mystérieusement, parce que, eh bien, à cause d'un certain machisme, les hommes n'ont pas voulu créditer Alice Guy de toutes ces choses. Si vous avez l'occasion de regarder des choses sur Alice Guy, c'est un personnage incroyable et elle a une vie incroyable en France et elle a été la première femme à avoir un studio aussi aux États-Unis avant la période de Hollywood. Donc c'est vraiment, vraiment très, très intéressant si vous aimez le cinéma. Deuxième chose,
et après je vous quitte. Emmanuel Macron propose de transférer 3 à 5% des vaccins contre le Covid à l'Afrique. Alors excusez-moi, ça n'est pas le Covid, même si beaucoup de personnes et naturellement les Français disent le, mais normalement l'Académie considère que nous devons dire la Covid. Je répète, Emmanuel Macron propose de transférer 3 à 5% des vaccins contre la Covid à l'Afrique. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Eh bien, écoutez, regardons la phrase ensemble. Emmanuel Macron. Ça, on sait l'écrire normalement. Si vous ne savez pas l'écrire, c'est pas la fin du monde. Le verbe s'est proposé au présent, troisième personne du singulier. Propose, P-R-O-P-O-S-E. De transférer, donc ça, c'est l'infinitif, 3 à 5 %. Donc ça c'est pourcent, c'est les pourcentages, des vaccins. Faites attention, vaccin, comme vous voyez, on écrit ça V-A-C-C-I-N-S au pluriel. Pour votre information, vaccin c'est masculin, un vaccin sans le S à la fin. Contre la Covid, alors normalement, l'Académie fait la guerre pour que tout le monde utilise la Covid, mais c'est très très difficile parce que au début on a utilisé le Covid et donc beaucoup de personnes, et moi je fais partie de cette personne, c'est très très difficile de corriger le en la, mais c'est comme ça. À l'Afrique, l'Afrique avec une lettre majuscule. Et voilà, effectivement, l'article. Emmanuel Macron considère que les pays, en tout cas occidentaux, devraient aider plus l'Afrique à obtenir plus rapidement des vaccins contre la Covid. Donc ça, c'est quelque chose, un positionnement qui est très récent, puisque c'était hier. Voilà. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons demain, si vous avez le temps, si vous n'êtes pas trop occupé, si vous avez envie. En tout cas, je vous dis merci, c'était vraiment sympathique. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Au revoir.